fais. Non. Vas-y, fais. Ton nom de famille, c'était comment? Daniel Justo. Non, ton nom de famille, Justo. Daniel. D'accord. Bonjour, Daniel. Tu me vois? Oui. Mais non. Ah oui, c'est fou, c'est quand même très large, hein, le retour. Non, on va se cacher derrière les deux. C'est Daniel, c'est... lance non, le truc. Non, c'est... Attends, chut. C'est les optiques. Attends, laisse-moi faire. Ouais. Lance le truc. Vas-y, c'est lancé. Attends, tu peux ouvrir. Attends, personne ne le voit. Mais allez, ça va. Bon. Daniel. Oui. Allez, première, un. Les deux cons. Voilà. Les deux cons, voilà. Les deux cons. Alors, ici au festival, pourquoi? Pourquoi? Parce que Liège, parce que jeune, parce que dynamisme, et parce que c'est un festival qui se renouvelle d'année en année. Et donc, moi je soutiens ce festival parce que depuis le début il me soutient, il m'accueille et il me présente beaucoup de personnes. Donc voilà, tout simplement, je suis toujours ravi de venir parler de mes projets, de rencontrer d'autres réalisateurs, d'autres acteurs, donc c'est très chouette. Alors présente-toi en deux mots, vraiment deux. En deux mots, Adrien François, réalisateur, je viens d'avoir 23 ans. Et j'aime beaucoup, je fais des films, des courts-métrages en tout cas pour, actuellement, comédie, et je suis en train de préparer mon premier long-métrage. Qui s'appelle ? Sacré Charlemagne. Voilà, est-ce que tu as fait justement un cours qui s'appelle aussi Sacré Charlemagne ? Voilà, donc le court-métrage s'appelle Sacré Charlemagne, c'est un court-métrage pilote qui a été produit par Ciné Label Film, qui est une SBL qu'on a créée en août 2013. Avec d'autres personnes liégeoises. Et donc mon long métrage, je ne sais pas encore si ça s'appellera Sacré Charlemagne, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça se rapportera à Charlemagne. Donc on verra un petit peu comment est-ce qu'on va appeler ça. Et Thibaut Paligueux, qui est acteur. Voilà. Et qui présente-le. Est aujourd'hui avec moi. Présente-toi un petit peu, Thibaut. Présentement. Pardon. Oui, ben voilà. Donc acteur, et alors, dans les projets de la SBL dont il a parlé, Ciné Label Film, qui sera, je l'espère, une grande plaque tournante artistique. Au niveau des projets, au niveau des rencontres, au niveau de la créativité, ça se présente très bien. Ouais. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merde. Et qu'est-ce que vous pensez de ce festival, le 8e ? Les présidents, vous les avez rencontrés ou pas ? Alors moi j'ai rencontré le président du jury littéraire. J'ai pas encore l'occasion de rencontrer le jury officiel. Mais en tout cas, ce qui me charme, c'est de voir que financièrement, le festival a repris un coup. On voit qu'il y a le chapiteau qui est de nouveau à l'honneur. On voit qu'il y a vraiment une infrastructure qui est remise en valeur de par les années précédentes. Donc c'est la preuve que le festival, d'année en année, grandit, évolue. Et il y a une existence. Quoi. Il y a une existence, oui, tout à fait. Donc c'est super. Et le plus important, c'est de voir que les organisateurs parviennent toujours à amener du bon monde parisien, bruxellois et liégeois au festival et à convaincre en tout cas les différents réalisateurs à présenter leur court-métrage, leur long-métrage, leur documentaire. Donc c'est super. Ah oui, de toute façon, je pense que Liège commence à se développer au niveau artistique, enfin au niveau cinématographique, artistiquement parlant. Et ça, c'est très important. Je pense que maintenant, les jeunes commencent à comprendre qu'ils ont leur place aussi dans le cinéma, ils ont leur place dans le théâtre, ils ont leur place artistiquement, parce que les moyens de communication sont totalement différents d'il y a 10-15 ans. Moi, quand j'allais à Paris, suivre des cours, ça prenait 5 heures de trajet, c'était laborieux, il fallait changer de train. Ici, on est vraiment dans un renouveau de communication avec la guerre des Guillemins, et aussi le fait qu'il y ait le Thalys, et ça prend 2 heures. Quoi. En 2 heures, c'est comme si vous alliez travailler à Bruxelles. Quoi. Donc ici, nous, on a la chance d'être dans des agences à Paris, et je pense qu'on n'est pas les premiers exemples. Quoi. Je veux dire, mais seulement, c'est des comédiens qui étaient confirmés pendant des années, qui avait la chance d'être dans des agences à Paris. Maintenant, étant donné que les distances deviennent de plus en plus courtes, dès que vous faites des bons projets, etc., ben, vous pouvez réellement être en relation avec Paris, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc il faut saisir cette chance. Liège doit saisir cette chance. Et c'est pour ça que ce festival doit continuer à exister. Parce que, justement, on a une place dans le cinéma francophone européen. Moi, j'ai une question à poser à France Adrien. Est-ce que tu penses que la fin de la pellicule et le début du numérique a permis à plein de jeunes talents comme toi de s'exprimer? Parce que le matériel aussi a diminué, parce qu'avant il fallait des millions, complètement. Les caméras c'était pas possible d'en acheter une, et puis la pellicule... La minute de pellicule... Je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où le numérique a permis, justement... Enfin, le numérique permet en tout cas à beaucoup de réalisateurs de faire des films. Contrairement à avant, où vraiment, là, il y avait financièrement une sacrée charge à surmonter, quoi. Non, je pense qu'aujourd'hui, le 5D, le 1D, la RED, etc. permet vraiment aux jeunes réalisateurs de faire des films avec des moyens un peu plus bas.
Et donc, c'est grâce aussi à la technologie qu'aujourd'hui, je peux aussi exister en tant que réalisateur, plutôt en tant qu'apprenti réalisateur. Mais, et donc voilà, c'est vrai que la technologie nous avance beaucoup. Complètement. Voilà, ouais, oui, bien sûr. Ça permet à tout un chacun de commencer quasiment avec sa bande d'amis dans son quartier, à commencer à s'essayer. Est-ce que tu penses que c'est bien ou mal, ça? Parce que moi, ben, en tant que photographe, il y avait une... À l'époque, il y avait, moi, je passais mes cours photographe pour avoir mon diplôme. Donc, c'était réservé à une élite, soi-disant. Puis, le numérique, et ils ont enlevé justement l'accès à la profession. Donc, tout le monde peut se dire photographe, comme réalisateur aussi. C'est vrai que ça a du pour et du contre. De ce point de vue-là, oui. C'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent prétendre être photographe, réalisateur, directeur photo, etc. Mais je pense que ce qui compte, c'est pas l'expérience, c'est la capacité à faire des choses. Oui, c'est les moyens qui sont donnés aux gens de pouvoir... C'est comme si on dit l'âge n'a pas la valeur des années, c'est un peu pareil. Ouais. Mais si, oui. Tu peux ne pas avoir d'expérience, mais avoir du talent. Non, c'est un peu ça. Exactement, dans le sens, de toute façon, je veux dire qu'il n'y a pas qu'une façon académique, il n'y a pas que la façon académique d'apprendre dans la vie. Que ce soit dans... Alors le problème, c'est que maintenant, on met des restrictions dans tous les domaines. On dit qu'il faut l'accès, le diplôme pour exercer, etc. C'est un critère pour les gens, ça les rassure, c'est un critère. Mais dans l'art, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Ouais. L'art, c'est autre chose. C'est pas être médecin, c'est pas soigner des gens, on n'est pas dans le... c'est pas être avocat, c'est pas être vétérinaire. Donc il y a une capacité de faire ce qu'on veut dans l'art. C'est ça la liberté. L'art est une fenêtre ouverte sur le monde. Et voilà, c'est le seul peut-être univers encore, espace de liberté qui est donné à l'homme. Et donc il ne faut pas mettre des diplômes et des... Non, je pense que chacun doit suivre son cursus, son parcours tel qu'il l'entend et profiter de la technologie, tout simplement. Et de toute façon, c'est le spectateur qui décide après, si c'est bon ou si c'est ça la chance des artistes. Et le malheur, c'est qu'à un moment donné, ils peuvent avoir tous les moyens du monde, ou pas du tout de moyens, ils peuvent exister. Parce que le dernier qui a le mot, c'est le spectateur. C'est celui qui dit « Ah, j'adore !» Pas terrible. Oui, mais dans un sens, quand même, au départ, pour que le film se retrouve dans les salles, c'est la décision de quelques personnes. Mais ça, c'est la distribution, ça. Ouais. Ça, c'est autre chose, ça. Ouais. Ça, c'est la distribution. Oui, mais enfin... Mais l'Internet permet à suppléer à ça, dans le sens où Internet, maintenant, si t'as pas de distributeur, si t'es pas pris dans une boîte, eh bien, tu peux t'auto-produire. C'est ça qui est génial, quoi. C'est-à-dire que tu peux être ton propre diffuseur, quoi. Distributeur. Donc c'est magnifique. Un dernier mot. Ouais. Un dernier mot. Voilà. Un dernier mot. Mot. Un dernier mot, moi, tout simplement, je souhaite à tous les jeunes acteurs, réalisateurs, producteurs et intervenants du cinéma à venir participer au Festival du film policier de Liège, parce que c'est chaleureux, c'est accueillant et on se sent tous concernés par ce qui se passe. Et c'est, pour moi, c'est le plus important. Quand tu arrives quelque part, c'est de te sentir le accueilli. Cinéma n'est pas quelque chose d'inaccessible, contrairement à ce qu'ont les gens dans leur tête. Pense. Le cinéma, ils pensent, oui. Je pense que le cinéma, c'est simplement une volonté d'entreprendre, de rencontrer. Et d'oser aussi, surtout. Et d'oser aussi, voilà, tout simplement. Mais c'est pas inaccessible, c'est pas opaque, c'est pas de moins en moins. Ok.